Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Eh bien, nous sommes aujourd'hui à Argelès-sur-Mer. Je dois dire que c'est un endroit magnifique. Nous sommes exactement sur la plage. Il y a vraiment des milliers et des milliers de personnes et j'aimerais bien que vous les entendiez maintenant applaudir. Alors, je crois que nous allons les entendre. Il se passe aujourd'hui dans l'émission ce qui ne s'est encore jamais passé. C'est-à-dire que Jacques-Pierre, le réalisateur, n'est pas encore dans le car. Nous attendons Claude François. Vous voyez qu'il y a déjà une partie de l'équipe de Claude qui est là. La personne des charmantes Claudettes. Claude est quelque part dans la foule. Est-ce que nous allons le retrouver? Ça, je l'espère en tout cas. Vous voyez, c'est une émission en direct. Ça, nous vous le disons à peu près tous les jours. Mais comme ça, vous en rendez bien compte. Dites donc, les Claudettes, je vous trouve bien habillées chaudement aujourd'hui. D'habitude, au mois de novembre en Corse, vous arrivez comme ça avec vos petits bas à résille. Oui, enfin des robes, des morceaux de robes. Et aujourd'hui, alors encore une nouvelle tenue, c'est Claude hein, qui décide des costumes. Oui, hein. On est plus habillés que les gens là. Hein. Oui, oui. On hein. a les collants, on ah, a oui, tout. Non, moi, je... Très décente. C'est Claude qui choisit les costumes. Est-ce qu'il vous demande votre avis? C'est lui qui les dessine d'ailleurs. Il vous demande pas votre avis? Bon, en général, il a bon goût, alors on est obligé d'accepter. C'est toujours ah, joli. Ouais. Et puis oui, toujours obéissante, bien sûr. Dites-moi, vous savez toutes danser, mais finalement, est-ce que vous savez chanter aussi les unes et les autres? Bah oui, parce qu'on chante dans notre dernier disque. C'est vrai? L'amour, toujours l'amour. L'amour, toujours l'amour. Mais tout à l'heure, vous allez nous interpréter. L'amour, toujours l'amour. Oui. D'accord? Oui. Tiens, je vais, voyez, je vais vraiment faire devant vous l'émission comme si vous étiez avec nous sur le plateau. Brigitte! Brigitte! Venez voir un peu. Tant pis, c'est votre deuxième passage. Ce n'est pas une Claudette, Brigitte. C'est notre assistante et croyez-moi qu'elle se donne du mal comme tous ceux qui travaillent avec nous. Brigitte, est-ce que Jacques-Pierre est retourné dans le car? Non, il n'y est pas encore. Il ne va pas tarder, mais il n'y est pas encore dans le car. Il est toujours à la recherche de Claude. Voilà, c'est ça. Il est parti. Ça, je dois dire qu'il y a des milliers et des milliers de personnes. C'est formidable, on ne se plaint pas, vous pensez bien. On va envoyer la bande des Claudettes. Voilà, alors si vous voulez, vous allez dans le car. Si nos amis ne m'entendent pas, on va leur demander de nous interpréter l'amour, toujours l'amour. Voilà. On va passer le temps comme ça, vous êtes d'accord? Alors, vous y allez. Alors, je pense que dans quelques instants, nos amis les Claudettes vont vous interpréter l'amour, toujours l'amour. Voici. Merci Claude. Bonjour. Bonjour. Dis donc, on est particulièrement contents de te voir. Oui. Tu as eu des aventures. Oui, oui. Je suis arrivé en même temps que tout le monde, alors ça a été long à arriver. Bien sûr. Enfin, le principal, c'est que tu sois là, je vais te dire. Mais on a eu peur, là, t'allais te faire enlever par la foule. Ah, non, mais tu ne te plains pas. Non, non, pas du tout. C'est toujours agréable. Tu sais qu'il y a ici à Argelès, pendant le mois de juillet, 80 000 vacanciers. Alors, c'est te dire qu'on en a une bonne partie, là. Je les ai tous vus sur la route en arrivant. C'est vrai. C'est une région magnifique. Tu la connais déjà, cette région? Non. Ou tu la découvres? La première fois que je découvre ça, je trouve que c'est ravissant, que c'est un petit patelin perdu dans les pins qui est très très beau. Oui, puis tu as vu, on a les montagnes derrière qui tombent dans la mer, un petit peu comme en Corse d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est très agréable. Enfin, nous, avec l'équipe de Midi Première, nous sommes ravis de sillonner toute cette région du Roussillon. Tu es arrivé de Paris ce matin ou hier? Hier soir, dans la hier nuit. Hier soir. Oui. Mais dis donc, tu es en plein gala là en ce moment. Oui. Tu vas où? Ton prochain gala a lieu quand? Mon prochain gala est ce soir à Béziers, aux arènes de Béziers. Ce soir à Béziers, bon, et bah, ça va. Demain en Andorre, c'est juste à côté. C'est vrai? Et après, où vas-tu? Tu restes dans le midi ou tu repars ailleurs? Je ne me souviens plus. D'accord. Après, je continue ailleurs, mais je ne m'en souviens plus, j'avoue. Tu vas dans les arènes de Béziers ce soir? Arènes de Béziers, oui. Oui, bah, tu as déjà un aperçu de la foule qui va t'attendre. J'imagine. Ben voilà, c'est la distribution des bises. Oui. Alors maintenant, bonjour toi, bah, t'en as une belle casquette. Ah bonjour les enfants, vous savez, on fera ça après l'émission. Voilà. Dis-moi Claude, tu as encore deux chansons à nous interpréter. Je te raconte un peu l'émission depuis le D'accord. début. Tu sais que l'émission a commencé pendant que Jacques-Pierre t'accueillait, qu'il était encore en bas avec toi. Oui, l'émission a commencé. Et alors, ce sont les Claudettes qui ont interprété la chanson dont tu as écrit les paroles. Ah, exact. L'amour, toujours l'amour. C'est une jolie chanson, ça. Très jolie chanson, oui. Mais t'aimes bien, toi, comme ça, faire chanter un petit peu les gens qui sont avec toi. De temps en temps. Puis les Claudettes, depuis le temps qu'elles dansent, c'est intéressant de les voir débuter dans la chanson. Il faut dire que c'est quand même restreint pour un départ, mais c'est oui. agréable à écouter. Non, mais puis ce qu'il y a, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'elles forment une très très bonne équipe autour de toi. C'est vrai. Tu les aimes bien. Alors je dis que bien sûr, le grand thème de l'émission aujourd'hui, c'était l'amour. D'ailleurs, l'amour, c'est toujours dans toutes les chansons qui sont interprétées. Et puis en même temps, bon, nous aurons tout à l'heure également une chanson qui est très jolie, qui te tient certainement très à cœur oui. et que tu vas chanter en duo. Alors je vais te tout expliquer maintenant. Je voudrais poser une question à Jacques-Pierre.
Parce que je ne sais pas quelle chanson il a l'intention de te faire interpréter maintenant. Si c'est « Laisse une chance à notre amour » comme nous sommes ici avec les Claudettes et que tu l'interprètes avec les Claudettes, ou si c'est le duo. Alors j'aimerais... Laisse une chance. D'accord, alors pour l'instant, Claude chante « Laisse une chance à notre amour ». On y va. Mais, oui. Ah, je l'emmène là-bas. Ah bon, très bien. Très bien, ben, tu viens Claude, hein, parce que... Allez hop, on y va. Nous allons essayer d'arriver jusque là-bas. Ah bon, sur une vieille, allez, je ne sais pas si mon micro marche à l'endroit où je me trouve, mais je peux vous dire que notre ami Claude sert des milliers et des milliers de mains. Et vraiment de personnes de tous les âges, à la fois les enfants, les grands-mères, les jeunes filles, enfin tout le monde. Et il est très agréable de voir la joie qui brille dans les yeux de tous ceux qui approchent Claude. Et également la joie qui brille dans les yeux de Claude. Pardon. J'espère que nous allons quand même finir par arriver auprès de la très très jolie Kathleen. Qui va chanter avec Claude dans quelques minutes. De nuit d'orage fantastique, dans un hôtel... Pas du tout la chanson pour l'instant. Il y a tellement, tellement de monde autour de nous que les haut-parleurs sont décrochés. Enfin vraiment, c'est la grande, grande, grande panique. Claude, on va arranger tout ça. Mais tu sais bien, il y a tellement de monde, les haut-parleurs sont un petit peu cachés derrière des pieds, il y a des fils qui se tirent. Alors je pense que tout ça va s'arranger très vite. En attendant, on pourrait présenter Kathleen aux téléspectateurs. Kathleen ! Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, ça nous fait très très plaisir de vous accueillir. Et d'autant plus que nous savons que Claude est très heureux. Voilà. C'est vrai, je suis content avec elle. Elle ne parle pas un mot de français. Elle ne parle pas. Si on nous entend, t'inquiète pas. Elle ne parle pas le français, alors je peux traduire si tu veux, mais d'accord. Elle ne comprend pas. Où l'as-tu rencontrée? Oh, elle est dans... Je sais que j'ai une agence de mannequins, elle fait partie de l'agence mannequin, je l'ai rencontrée comme ça. Ah, très bien. Elle est américaine? L'américaine. You are an American girl? Yes. Elle vient d'où exactement? De Los Angeles, Californie. Los Angeles. Et you live in France depuis combien de temps? Oh, ça fait... One year. One year. Ça, t'as vu? Oui. Elle a compris. Oui. Oh là là, bah, bravo, parce que... Depuis un an, est-ce que vous avez déjà eu... Tiens, tu lui demandes, est-ce qu'elle a eu déjà l'occasion de visiter notre beau pays? Did you travel around France already before now? No. C'est la première fois, non? C'est la première fois. Alors, elle ne connaît pas encore toutes les régions. Mais pour chanter avec toi, donc je crois qu'elle va connaître absolument toutes les régions de France parce que tu fais des galas partout. Oui, partout. Enfin, elle n'est pas toujours avec moi dans les galas. Elle a juste fait le disque, mais c'est pas vraiment son métier, la pauvre. Sur scène, elle n'est pas là avec moi. C'est... Mais je sais que nous avions entendu cette chanson, nous vous avions vu pour la première fois d'ailleurs sur TF1. Oui. Et c'est très joli. Hein. Oui, c'est vrai. Regarde un peu les jolies fleurs. Je crois qu'on est en train de nous parler. Mais nous n'entendons rien. Nous avons un ronflement sur le haut-parleur, là derrière les personnes. Et vraiment, pour l'instant, ça y est, on n'a plus de ronflement, mais on n'a plus rien du tout. Alors, Elle est un peu fanée, mais je te l'offre quand même. Oh, bah, tu es gentil, mais je vais la partager avec Kathleen. Kathleen a l'habitude d'en avoir, alors. Merci, Claude. Bon, alors là, je me suis arrêtée quelques instants, j'ai regardé derrière la caméra, parce que Maurice Orial, un de nos cadreurs, vient de me transmettre ce que Jacques-Pierre nous fait dire. Étant donné qu'ici, nous avons des problèmes de haut-parleurs, alors nous retournons d'où nous venons. Voilà, on se promène beaucoup dans cette émission. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on fait là? On va là-bas. Attention. Vous venez, Kathleen, comme... Venez, allez, on va par là, allez. Merci.
Merci, messieurs les gendarmes. Allez, tout le monde vient. Attention. Allez, allez, allez-y. Bonsoir. Allez, Daniel. Eh bien, on peut dire qu'aujourd'hui, nous avons une fête à Argelès-Plage. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Bonjour tout le monde. Non seulement nos amis d'Argelès sont très nombreux, mais en plus, ils ont une forme. Moi, je suis sûre que ce climat du Roussillon et de la Côte Verneuil leur réussit particulièrement. Voilà. Claude va arriver dans quelques instants. De nuit.